Allez, on lui demande de changer, ça fait un petit bout de temps. De retour avec Danny Williams. Retourner voir Londres. Allez, on est de retour avec Danny Williams. Attention. Oh, t'as du bol de nous avoir invités au tirage. Ouais, je sais, ça m'aurait fait bizarre d'être éliminé par mon ancienne équipe. C'est clair. Tous tes rêves de Champions League et de gloire qui tombent à l'eau, je sais pas comment j'aurais pu me remettre d'un truc pareil. Oh, t'exagères. Au moins, tu pourras jouer contre Terry. Deux frères sur le même terrain. Les journalistes vont adorer. Ouais, ouais, ça va être spécial. On voit la même chose que ce qu'on a vu avec Alex, mais. Il a le Williams, l'icône internationale parmi ses clients. Comment tu crois qu'il va? Salut-le de ma part. Ouais, si j'en ai envie. Bon, ciao, mon vieux. Non, mais. Ah, Michael, tu vas me te faire attendre. Je suis désolé, il y avait des embouteillages. Alors, on est bien tombé? Ouais, c'était un tirage intéressant. Attends. J'ai toujours su qu'Hunter avait ça dans le sang. Ça me rappelle ce gamin avec qui on allait à l'école. Il se prenait pour un footballeur, comment il s'appelait? Quoi? Muggers? Non, tu rigoles. Ils sont tous pareils, ces bouffons. Tu te rappelles quand Mugger faisait 20 feintes avant de marcher sur ses lacets et tomber par terre? Parce qu'on dit, il a fini dans un championnat bidon et il joue même pas. Écoute, Danny, je viens de voir mon ami agent immobilier. D'accord. Il t'a trouvé la maison idéale. 4 chambres, 3 salles de bain, un sauna et 10% de remise. Non, c'est sérieux? T'aurais pu nous envoyer le lien par mail? Tu vas quand même pas vivre ici pour toujours, Danny. Ça fait pas exactement première ligue ici. Ça fait plutôt, je sais pas, joueur amateur. Mais une maison comme ça, ça en jette, pas vrai? Ça renvoie une bonne image aux sponsors. Tu vois le truc? Ouais. T'es en pleine ascension. Tu vas arriver loin. Pense-y. Je te rappelle plus tard, Danny. Ouais, okay, ouais, d'accord. Merci, Michael. T'en penses quoi? C'est vrai que c'est un peu cher, mais avec tous les investissements que t'as fait, sans parler du reste... 3 salles de bain. Qui a besoin de 3 salles de bain? C'est ce que j'allais dire. Une, c'est suffit déjà. Taylor, il touche un pourcentage sur la vente. Quoi? Non, Michael ferait pas ça, il est réglo. Il est sournois, si tu veux mon avis. Et puis, t'as d'autres chats à fouetter. Par exemple, comment gérer Terry en Ligue des Champions? Il te dominait toujours quand on était gosse. Ouais. Ouais, ouais, mais... On n'est plus des gosses, pas vrai? À mon avis, c'est le sujet tabou, son frangin. Ça s'est parlé, mec. Je suis sûr que ça sera différent cette fois. Ah, ça le perturbe. Bon, entraînement. Les dribbles. On doit assurer les fondamentaux. Franchissez le parcours d'obstacles en dribblant et terminez avant votre adversaire. Merde! Je pensais pas qu'il y avait une... Ok. Je vais retirer. Ah. Oh, bravo la finition. Ensuite, dribble précis. Franchissant en dribblant autant de portes que possible dans le temps imparti.
Très bon entraînement. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu. Et notre jeune Danny Williams était particulièrement en forme. C'est bien. Alors, augmentez votre capacité à bien doser les ballons en profondeur pour offrir à vos partenaires des occasions de but. Devenez le point d'ancrage en attaque. Donnez plus vite votre vitesse de pointe, augmentez vos chances de marquer. Merci. Battre le gardien avec des tirs depuis l'intérieur de la surface. Accroître votre efficacité avec le plat du pied. On va plutôt la jouer finisseur. C'est un peu égoïste, mais bon. Salut à tous, et surtout salut à toutes, bien sûr, hein, n'est-ce pas Pierre? Oui, bonjour les filles, bonjour Hervé, et bonjour à tous ceux qui vont suivre ce match avec nous. Aujourd'hui, on va voir évoluer les Loups de Wolverhampton face à Arsenal. Alors, on va suivre aujourd'hui de près Mkhitaryan, qu'on peut déjà qualifier de plus grand joueur arménien de tous les temps. Hein. Oui, ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi. Ça va pour faire plaisir à Youri Djorkaeff. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. L'équipe va s'appuyer sur un 5-2-3. Une défense à 5 et ça risque d'être quand même maigre au milieu de terrain. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser les joueurs adverses. Ça fait un quoi, Pierre? Bon, ce que tu viens de dire, Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je t'apprends rien. Hein. De toute façon, tu sais tout. Ça reste populaire. Le foot, quand même, partout où on passe, c'est la même passion. Hein. Ouais, puis il faut dire qu'avec le net, c'est maintenant devenu plus facile d'avoir accès aux championnats du monde entier. On peut connaître quasiment tous les résultats en temps réel. Et coup d'envoi de cette première période à l'instant. João Moutinho. Raúl Jiménez. Interception. Le long de la ligne de touche. Mkhitaryan. Il prend sa chance. Ah, c'est très facile hein, pour le gardien ce tir. Daniel Williams. Henry Mkhitaryan. La défense qui s'est bien avec un tir. Le défenseur qui contre ce ballon. Centre vers ses partenaires. Dommage. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Au fossoyer. Même dans le cœur. Sur la trajectoire. Lundsteiner. Aaron Ramsey. Laurent Koscielny. Mkhitaryan. Chaka. Attention, il a du pas mal. Lui. Oh, le ballon dangereux! Il l'a pas soulevé ce con. Danger, mais ça joue. J'avais appuyé.
Mictarion. Oh, dommage. Ouais. Le ballon dégagé au large. Allez, une touche intéressante pour les Gunners. Nacho Monreal. Danny Welbeck. Mictarion. Le tir. Non. Gardien était dessus. Chaka. Choisis la frappe. Putain, il n'arrive pas à la décoller. Hein. Raúl Jiménez. Diogo Jota. João Moutinho. Oh. Oh, c'est bien joué, attention, ouais, il est en train de prendre le large. Oh putain, j'hallucine. J'hallucine. À la distance où il était, je croyais pas. Hein. Une frappe d'une puissance absolument exceptionnelle. Ouais. Le gardien est obligé de faire. Vu la distance, oui. Une petite ouverture, il a choisi de frapper dans le sens de la souris. On revoit ce but au ralenti. Quelle frappe! Elle fait plaisir à voir, la joie d'Unai Emery après ce but qui donne l'avantage à son équipe. Le chemin de cette première mi-temps, ouverture du score. Arsenal qui est devant au score. Arsenal goal, number 34, Danny Williams. Dunker. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ouais, la frappe. Non. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Un ballon rendu à l'adversaire. Ouais, pas mal, hein. Ça fait circuler le ballon. Adama. Ouais, c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Allez. Dans l'espace de la part de Saka. Oh là là. Oh, il a trébuché. Chaka. Danny Welbeck. Dommage. La passe est interceptée. On peut leur mettre la pression. João Moutinho. Oh, que c'est bien mené ça. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Ah, je vais le garder. Il sera pour le gardien. Tranquille. Chaka. Daniel Williams. Victorian. Johnny Welbeck. On s'approche de la zone de vérité. Ils enchaînent les passes. Et oh là là, le même. Oh, le même, mais en lucarne. Oh, quel but. Oh putain, c'est pas possible. Ah, décidément, à l'extérieur de la surface, c'est un tueur. Hein. Ah, je pensais pas qu'il tenterait sa chance d'aussi loin. Traverse son ballon, on le voit sur ce ralenti. Et on pensait que c'était un peu présomptueux de tenter sa chance aussi loin. En fait, il a eu raison, hein, de suivre son instinct. Quelle puissance dans cette frappe. Regardez sur le ralenti, ça va trop vite pour le gardien, même au ralenti. Quel buteur. On a bien fait d'améliorer 2-0, ses statistiques dans ce sens-là. Hein. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Danny Williams, vous l'avez trouvé bon sur ces 45 premières minutes, Pierre? Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais.
Et coup d'envoi de cette première période à l'instant. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Premier but. Ah, le but. Oh, le but phénoménal. On s'approche de la zone de vérité. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ils n'ont pas eu d'occasion. Une bonne première période d'Arsenal, hein, Pierre. Ouais, à confirmer en seconde. Victorian, Daniel Williams. Ozil, il va pouvoir centrer. La défense qui va pouvoir souffler un peu avec ce long dégagement. Interception. Non. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? C'est pas ça que... On s'est rattrapé. Mesut Ozil. Mesut Ozil, allemand, mais bien sûr d'origine turque, vous l'aurez compris. Oui, il est né à Gelsenkirchen, dans le bassin de la Roure. Bon, il y a tellement de clubs pro dans la région que c'était à qui il mettrait la main dessus le premier, et c'est Schalke 04 qui a décroché le pompon. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Aaron Ramsey. Williams. Le ballon. Allez, peut-être une bonne occasion. Adama. Ouais. Non, sa frappe est bien trop enlevée. T'es puissante, mais bien trop haute. Il y a plusieurs changements en même temps. Laurent Koscielny. Mkhitaryan. Ouais, le bel appel, il l'a vu, Mkhitaryan. Daniel Welbeck. Allez, il y a du monde pour reprendre. Corner. Ouais, non, c'est pour personne. Ouais, ça va sortir. Corner. Ah, il crève l'écran aujourd'hui, Daniel Williams. À chaque prise de balle, on sent qu'il va se passer quelque chose. Il a fait très mal à la défense adverse et il donne beaucoup de travail au gardien. Il pilonne le but de tous les côtés. Ouais, c'est un vrai festival. Ah, le bon corner d'Ozil, ce corner qui échappe à tout le monde, éventuellement un oiseau qui pourrait le reprendre. Nacho Monreal. Danny Welbeck. Williams. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Victorian. Williams. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. João Moutinho. C'est un contre-attaque. Raúl Jiménez. Un ballon rendu à Arsenal. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Même dans le cœur. On écarte le jeu. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ah, le centre qui ne donnera pas grand chose. Nacho Monreal. Mkhitaryan. Encore un bon ballon. En profondeur, oui, bien vu. Danny Williams. Oh putain de poteau. Même dans le cœur. Putain de poteau. Robin Neves. Il avait fait ce qu'il fallait, malheureusement pour lui, le cadre a repoussé le ballon sur cette action. Diogo Jota. Le tir. Chaque fois, tu me mets en opposition. De manquer des occasions. Il panique. Oui, parce que là, la confiance commence à être abîmée. Au hasard. Ennemi.
Moment de conservation de la balle. Ils ont choisi la frappe. Dommage. Elle frappe contrée par le défenseur. Il se méfie hein, maintenant. Au fossoyer. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Ouais, elle bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Williams. Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais, il a gagné. Alice Iwobi. Ouais. Et le ballon bloqué par le gardien. Elle a tapé plus fort. Parce qu'au bout, on va lui mettre la pression au gardien. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. C'est passé. La passe est interceptée. Arsenal qui peut poursuivre son offensive. Mkhitaryan. Pendant tout le match, j'ai pas tapé assez fort et celle-là, je la bourrine comme un âne. Est-ce qu'on peut appeler une victoire probante avant sans encaisser de but? Ça, c'est toujours important. On a un peu hué, mais bon, c'est pas grave. Et pas à domicile. On peut le comprendre. Ça, c'est bon. Deux passes décisives. Non. Marqué deux buts. Coup d'envoi de cette première période à l'instant. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Ah, le but! Oh, le but phénoménal! On s'approche de la zone de vérité. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Allez, peut-être une bonne occasion. Adama. Non, ça frappe. Ils ont tapé fort à chaque fois. Mais trop fort. Diogo Jota. Le tir. Pareil, au-dessus. Dans cette situation, on ne peut pas se permettre de manquer des occasions comme ça. Oui, parce que là, la confiance commence à être abîmée. Les récompenses de match. Bon, les dribbles. On doit assurer les fondamentaux. Entraînement, placement. Placez-vous de façon à recevoir la passe d'un coéquipier à travers la porte. Attention au hors-jeu. Demandez une passe si vous pensez être en position de marquer. Joli.
dommage. Ah, dommage. C'est pas grave. But en série. Redoublez les passes avec votre partenaire pour marquer autant de buts que possible. Ouais, c'est un peu couillon que j'ai pas pu la reprendre celle-là. Ils sont cons, ils viennent pas sur lui, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Et... ah, dommage. Bel arrêt. Très bonne séance, les gars. Si on continue à s'entraîner comme ça, on va tout casser. Williams, t'es vraiment sorti du lot aujourd'hui. Continue comme ça. Tout ce que je dis, Lily, c'est que tu dois continuer à centrer, et moi, je marque avec la tête, tu comprends? C'est bon de savoir que ta tête peut servir à quelque chose, finalement. Tu sais, je sais vraiment. Et d'après vous, qu'est-ce qui vous a valu d'être transféré dans ce club emblématique du PSG? Tous les attaquants en Europe ont peur de moi, parce que je leur laisse pas d'espace, vous voyez. Il faut juste remporter ces duels. Et veillez à ce que votre adversaire se souvienne que vous pouvez le battre. Et quel est votre état d'esprit alors que vous allez affronter votre frère Danny Williams en phase de groupe? Ça doit être quelque chose pour vous. Peut-être pour lui. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand on gagne ce genre de choses, rien ne peut vous atteindre. Intéressant. Mais si mes souvenirs sont exacts, vous n'avez pas disputé la finale, non? C'était ma première saison en Italie, je prenais mes marques. Mais j'ai joué un rôle dans notre parcours, ne l'oubliez pas. C'est un sport collectif, vous comprenez? De toute façon, je ne me soucie pas de mon frère. Comment pourrait-il être meilleur que moi? Si tu regardes, Danny, je t'aime, mec. Ouais, c'est ça. Williams? Je me demandais si je pouvais continuer à m'entraîner, vous voyez? Bosser ce que l'entraîneur veut que je travaille. Bonne initiative. Le terrain est à ta disposition. Je parle pas du terrain, je me demandais si vous accepteriez de m'aider. Je te demande pardon, Williams, j'ai pas très bien entendu. C'est juste que je me demandais si vous pouviez m'aider à m'entraîner. Quand tu veux, fiston. Cool, c'est sympa. Je vous enverrai les instructions. Quoi? Quelles instructions? Oh, t'as vu ça? C'est passé tout près. Oh, c'est pas passé loin. Salut. UEFA Ligue des Champions, c'est le jardin. The Williams, je ne vise que ça, je l'ai toujours dit.